Bienvenue dans la boîte à outils de la leçon 16 pour le morceau Sous les drapeaux. Alors j'ai quelques petits conseils. Le premier, c'est de faire le bon doigté de ré grave. Alors je vais vous le donner, mais n'hésitez pas à regarder dans le début de la méthode ou sur internet. C'est toujours précieux. Donc le ré grave, l'idée, c'est de boucher quasiment tout le tuyau. Donc bien penser en fait à l'index et pas confondre avec le ré médium. Voilà, c'est surtout ça finalement qu'il faut retenir. On a un ré grave dès la troisième note. Voilà, ou à la fin de la ligne. La deuxième recommandation que je peux te donner, c'est de bien observer la place des respirations, parce que le tempo n'est pas très rapide dans ce morceau-là, c'est plutôt expressif. Et du coup, ce serait mieux de tenir, ça va donner davantage d'expression au morceau. Donc, on voit globalement qu'on respire toutes les mesures, des fois un petit peu après. Enfin, si on a besoin, on les repasse un petit peu en V pour être certain de bien viser. Donc, par exemple, première phrase. Voilà, et on n'a pas peur de répéter chaque petit bout plusieurs fois pour bien tenir. Le début, ça va toujours parce qu'on a beaucoup d'air, mais c'est après. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal de les refaire plusieurs fois. Deuxième bout. Suivant. Voilà, à répéter plusieurs fois. Le suivant. Suivant. Alors évidemment, là, je me suis beaucoup arrêtée, j'ai fait exprès. C'est aussi pour vous laisser le temps de mettre sur pause et de le refaire, et éventuellement de remettre en arrière et de réécouter ce que je vous propose. L'idée ensuite étant de rassembler tous ces bouts, évidemment de jouer le morceau en entier. Dernière chose, et ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est, vous voyez, les nuances. Il y a ce qu'on a moins vu auparavant. Il y a plein de crescendo et décrescendo. Alors ça, si on peut le faire, c'est vraiment le top. Donc je vais essayer d'exagérer tout ça. Et je vous joue le morceau en entier. Bonne musique!